Haïti, mon qui j'en ai, c'est bon, Cliff. Est-ce qu'on sont citoyens américains qui bloqués en Haïti? Eh bien, moi, pour ton nouvelle, très très important pour vous. So, même si c'est pas vous-même, mais sous qu'on a un monde, partager vidéo ça avec, c'est très important. Quand y a là, nous avons page US Department of State. Moi, toujours dis nous ça, différence qui gagne entre moi-même avec l'autre monde, le map bas information, moi, bah, nos preuves. Moi, dis nous, mais qui bon, joindre, pas juste paraître, mais dis nous, tel j'en fais telle manière, c'est, non, moi, viens avec, moi montrer nous et c'est ça yo montrer dans école de droit faut qu'on ait évidence ici à la moi dans page US Department of State travelstate.gov dans sujet ça là n'a regardé pour nous 29 mars là l'action passé là et bien nouvelle ça sorti côté titre là c'est situation in Haiti. OK, notre sujet à là c'est ça qui est important. Nous elle là me souligne elle dit US citizens in Haiti. So yo son nouvelle qui sorti pour tout citoyen américain qui vit à Haïti. M'bra l'île pour nous en créole pour moun qui pas comprendre anglais. Yo dit comme ça que et gouvernement américain l'a arrangé départ pour citoyen américain de ambassade Port-au-Prince à République Dominicaine à Santo Domingo par hélicoptère. Sont intéressés pour voyager par hélicoptère et ou gétan fait ça ou a besoin compléter online form ça là m'pap cliquer sur lui parce que m'pap gen pile temps et puis y a communiquer avec ou par email sou gétan rempli form ça ou pas besoin ba tête ou problème pour refaire encore y a continuer ba ou information de situation pendant avec le temps. Yo dit voyager pas au presse et par terre, li extrêmement dangereux. Yo recommande tout moun kap sot kap vini nan ambassade américain ki pas au presse yo ki pou vini nan voyage ça pour yo prend en pile précaution parce yo pa ka garanti sécurité pour moun kap voyager nan pays d'Haïti pour vini nan pas au presse. Actuellement là gouvernement l'a pas arrangé départ ça yo pour citoyen américain avec quelques membres famille citoyen américain ça yo de ambassade américain qui pour presse pour arriver au cap par hélicoptère tout et moun ça yo les arriver au cap kounya là y a capable arranger voyage de cap haïtien à Miami par avion spécifiquement dans Florida seulement moun qui gagne yon travel document qui valide cap capable entrer aux États-Unis. Moun sa yo c'est moun qui non immigrant, là on a parlé de non immigrant, c'est moun qui gagne visa. Immigrant visa c'est moun qui gagne résidence ou bien moun qui gagne fiancé visa genre de bagay sa yo ou bien un moun qui gagne résident permanent, moun sa yo éligible pour yo ka parti nan voyage ça. Moun sa yo faut que citoyen américain c'est parent yon mineur, là on dit parent yon mineur américain, ça veut dire ti moun za li poko gen 21 ans et li poko marié. Ça veut dire s'il gen 18 19 20 20, 20 ans, même si li c'est mineur mais depuis le marié ou pap capable, li pas considéré comme yon mineur. Là on dit ti moun ki mineur, ça même si ti moun nan li pa ta gen parent la vel et depuis le mineur li capable voyager depuis ses citoyen américain et là il dit dépousser madame ou bien mari yon citoyen américain. Yo dit pour citoyen américain et pour moun ki pa citoyen américain yo et faut qu'on montre preuve relation ensemble avec citoyen américain ça. Et si ou répond avec tout critère et ou intéressé pour ta voyager par hélicoptère et ou te gen tan rempli form online nan qui rele online tech form nan y a communiqué avant Paris. Yo di nou comprendre que airport au cap là li ouvert et li recommencé avec business activité li. Sécurité situation sécurité en Haïti a li pas prédictable et li danger. So voyager en d'un pays d'Haïti c'est a propre risque pa ou. Gouvernement américain pa ka garantir sécurité ou pour aller nan airport yo frontière yo ou bien pendant voyage ou en dans pays a ou supposé considérer et sécurité personnelle yo et conseil yo ba ou avant voyager quel que soit côté li en Haïti. C'est seulement tentative pour quitter Haïti par air et si ou croit que li en sécurité pour faire ça. La yo di gouvernement dominicain li indiqué que l'a quitter citoyen américain yo entrer République Dominicaine par frontière, c'est citoyen américain qui gagne un passeport valide.
Citoyen américain ça yo supposé faire une évaluation de sécurité a et pour yo capable connaître situation les a voyager par terre en Haïti. Gouvernement américain yo pas ka garantir citoyen américain cap traverser pays a par frontière avec Saint-Domingue que immigration Saint-Domingue a quitté yo entrer parce que c'est immigration République Dominicaine officielle yo qui gen autorisation finale qui pour décider qui moun ki ka entrer Saint-Domingue. Citoyen américain kap traverser Saint-Domingue sans yo pa gen autorisation officielle dominicaine yo ka ba yo yon charge sa nou rele yon pénalisation lè yo rive Saint-Domingue pour yo rentrer pour yo quitter Saint-Domingue. Et sécurité en Haïti a li dangereux, c'est même ba la yo continue di la. Et puis là on dit sou ta gen question pour ambassade américaine qui Saint-Domingue nan après le nan 809 567 77 75 ou du moins ça c'est email ou ka voye yo ou bien si ou voulez contacter ambassade Haïti américaine qui Port-au-Prince nan numéro téléphone yo c'est 509 222 98 000. So ça c'est email koto ka voye ba yo en façon pour communiquer avec. M'te juge le nécessaire pour m'te faire vidéo ça pour m'te ka partager situation ça pour tout citoyen américain qui en Haïti dans moment là qui trouvé yo bloqué yo par contre ça pour yo faire ça si pour monter si pour descendre et bien j'aime souhaite expliquer nous dans vidéo à gouvernement li bail yo gen hélicoptère pour yo évacuer tout citoyen américain côté yo capable voyager de Port-au-Prince à au Cap ou bien de Port-au-Prince à Santo Domingo le rive là yo même y a acheté ticket yo pour yo rentrer Florida. Nouvelle là pas dit que gouvernement a bail ticket pour faire rentrer dans pays à aux États-Unis mais le garanti yo la retire au Port-au-Prince pour mettre yon côté côté yo ka assurer voyage yo pour retourner back vin la caillou. Moun ki gen autorisation Biden ki approuvé yo ça nous le travel autorisation yo pas mentionné yo là moi pas connais moi pas ka bay anken nouvelle sou ça et si nta gen question sou ça moi pas ka répondre yo tout. Merci parce que te gade vidéo ça et partager pas oublier sou fè rentrer dans pays a ou vle appliquer pour quatre travail ou TPS whatever saliak bagay immigration vle fè a. Mes numéros de téléphone moi en bas live là c'est 619 946 48. Pas quitter voice message et puis moi pas fait asile. Merci parce que vous partagez vidéo sur l'autre fois encore, c'était Bon Cliff. Je vous love Timon. Ciao.